Le peuple kabyle est actuellement réparti entre plus d'une centaine de tribus qui partagent toute une origine commune lointaine et plusieurs confédérations telles que la Confédération des Aït-Werlis, la Confédération des Aït-Iraten et la Confédération des Insisen. Mais quelles sont les origines de ces tribus et qui sont les premiers kabyles connus de l'histoire? C'est une question intrigante à laquelle nous allons tenter de répondre. Plongez donc dans les mystères de l'histoire antique de la Kabylie, là où les légendes prennent vie et les secrets ancestraux sont révélés, et bienvenue dans une épopée extraordinaire, une quête pour découvrir les tout premiers Kabyles des premiers siècles avant Jésus-Christ. La population Kabyle d'aujourd'hui est dispersée à travers de nombreux villages. Chaque regroupement de villages forme une entité appelée l'Arche, qui se traduit par « confédération ». Ces confédérations, à leur tour, se rassemblent pour former Takvilt, ou tribu. Cette structure sociale complexe souligne l'organisation communautaire qui caractérise la société kabyle, préservant ainsi les traditions et l'identité culturelle au fil des générations. Mais dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, cinq tribus originelles se sont formées. Au fil du temps, ces cinq premières tribus ont grandi et ont donné naissance à de nombreuses autres tribus. Les historiens ont désigné ces cinq premières tribus sous le nom de « quinquèges anciens », un terme latin signifiant « les cinq ensemble », en référence à leur nombre et à leur confédération formant ainsi un seul peuple. Ces cinq grandes tribus sont 1. Les Tindans, 2. Les Massissens, 3. Les Issaflans, 4. Les Jubalni, 5. Les Jezalans. Avant de préciser la localisation actuelle de chacune de ces tribus, il est important de souligner que les noms mentionnés proviennent de sources historiques rédigées en latin, ce qui rend difficile la reconstruction de la forme originelle de ces noms. Voici donc la localisation des cinq premières tribus de la Kabylie, classées de la plus petite à la plus grande. La première tribu est la tribu des Issaflans, elle est à l'origine de la tribu actuelle des Aiflissen. Cette tribu donne naissance à plusieurs nouvelles tribus, dont la tribu des Tifra, des Ezerara, des Eimed, et enfin des Ezouaou. Ces branches se situent dans les localités actuelles de Tixirt, Azefoun et Timizart. Cette tribu est la moins importante en termes de population, mais elle est réputée pour ses grands guerriers qui ont vaillamment défendu leurs terres. De plus, ils sont connus pour leurs compétences en navigation, car ils habitent près de la mer. La deuxième tribu est celle des Jezalans, qui se situe à l'extrême ouest de la Kabylie antique et actuelle, plus précisément dans la région de Boumerdès. Les habitants de cette tribu étaient proches des camps romains de Boumerdès, et ils sont renommés pour leur résistance face à l'envahisseur romain, ainsi que pour leurs compétences remarquables en agriculture et en élevage de bétail. En troisième position, nous trouvons la tribu des Jubalni, qui occupe certaines parties de l'actuelle Bouira et Bordidje-Bouareridge. Les habitants de cette tribu ont grandement contribué au développement de l'agriculture et étaient des experts dans les systèmes d'irrigation et la gestion des ressources d'eau. De plus, leurs hommes étaient également des guerriers vaillants et courageux. La quatrième tribu la plus importante en termes de population et de superficie est celle des Massissens. Sa capitale régionale est Massisna, située sur les rives de la Soumam à Béjaïa. Cette tribu s'étend en englobant les localités actuelles de Sétif et Djidjel. La cinquième et la plus grande tribu de la Kabylie antique est celle des Tindans, qui se situe au cœur de la Kabylie, plus précisément dans l'actuelle région des Aït-Werlis, qui était sa capitale à l'époque. Elle s'étend vers l'ouest jusqu'à la frontière de la ville de Béjaïa, englobant Toudja et Exila. Au sud, elle s'étend légèrement après la rivière Soumam, limitrophe de la tribu des Massissens. À l'est, elle atteint la frontière de la tribu des Jubalni, couvrant des localités allant des Ouzelagen jusqu'au Ehamer. Au nord, elle englobe les régions d'Aïdjer et l'actuelle Bouzguen. Cette tribu des Tindans est la plus grande en termes de population et de superficie. Elle a fourni le nombre le plus important de guerriers lors des guerres contre les Romains. Elle était également connue comme la capitale de la Kabylie antique, où les chefs des cinq tribus se réunissaient en période de guerre ou de famine pour discuter des solutions communes à mettre en place pour l'ensemble des tribus. Ces informations sur les cinq premières tribus kabyles, connues sous le nom de quinquèges anciens, sont issues de grands historiens tels qu'Amien Marcelin, Casimir Creully et Gabriel Camp. Vous pouvez consulter l'article de Casimir Creully intitulé « Les quinquèges anciens et les Babarès, anciens peuples d'Afrique », disponible gratuitement en ligne, pour approfondir le sujet. Il est important de souligner que certaines personnes ont tenté de falsifier l'histoire en propageant des récits infondés sur les origines légendaires des Kabyles, prétendant que les cinq noms de tribus découleraient des cinq enfants d'un géant résidant dans le Jurjura. Cependant, ces histoires sont fausses et ne reposent sur aucune source historique fiable. De plus, il n'existe aucune référence scientifique mentionnant l'existence de géants en Kabylie,
et il convient de noter que la région du Jurjura n'était pas encore habitée à cette époque, étant peuplée ultérieurement par des populations issues principalement des tribus des Jezalans, des Jubalni et des Indans. J'espère que cette vidéo sur les premières tribus de la Kabylie vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Talan Tinyusni, et à liker la vidéo. Nous vous remercions et à bientôt.